au milieu de nulle part, enveloppée, bien assise, dans de beaux draps, en attente de ce qui sera sa fin, délivrance. Elle se remémore et se demande pourquoi cela lui arrive, toute cette violence. Se souvient, étant fille, humiliée tant de fois par ces hommes-machines à l'enrubanné cerveau, aveuglée par leur lumière, vérité, crise de foi, elle les a eus et les aura cette fois dans la peau. Ces pierres, sur qui leurs églises furent bâties, et lorsqu'elle recevra la première, ses rêves de Dieu s'effondreront aussi. La bêtise humaine s'abattra, crucifiée par terre. La douleur insupportable alors deviendra écrasée, prostrée, au milieu de nulle part, pierre par pierre, on la lapidera, l'assassinera. Mais qu'a-t-elle donc fait pour mériter pareil sort? Elle n'a fait qu'être femme, mère de ces hommes qui l'auront mise à mort, elle qui leur avait donné vie, qu'elle périsse en enfer, pour l'éternité, tous ces sous-hommes. Mais ils y sont déjà, pour lui avoir fait tout ceci. Prétendue morte au milieu de nulle part, en mille morceaux, ses rêves, ses os brisés, sa vie s'achevait, mais ses pensées respiraient encore pour sa fille, d'être un jour elle aussi lapidée. Et elle pleurait, avait mal, sa douleur refoulait, ne voulait pas crier, avait mal à respirer. Elle voulait partir forte, mais pierres de partout pleuvaient. Sa dernière pensée fut pour son Dieu, qui l'aura pourtant tuée.